Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de la revue des titres de quelques journaux paru ce mercredi 27 novembre 2024. À la une, Fraternité affiche. Bavure policière au Bénin, finit la récréation. Plan d'assainissement pluvial à Cotonou, le quartier Agla dans son nouvel attrait. La Nation informe, étude du projet de loi de finances gestion 2025 au Parlement, 360 milliards francs CFA pour le cadre de vie et les transports. Contre-pied de position du chef de l'État, les deux grands partis de la mouvance, dans une indépendance apparente, s'interrogent dynamisme info. Le Télégramme à présent, session budgétaire à l'Assemblée nationale, près de 147 milliards pour le ministère de l'Agriculture, 2,4 milliards pour l'emploi, l'artisanat et les PME, 6,3 milliards au ministère du Commerce et de l'Industrie, 203 milliards pour le ministère des Mines et de l'Eau. On boucle avec Libération, interaction entre patronat et le syndicat de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou confirme son engagement en faveur du dialogue social. Session budgétaire à l'Assemblée nationale, Alimatou Assouman défend 6,34 milliards francs CFA pour son ministère. Voici la fin de cette revue des titres, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous.